Bonjour à tous. Connaissez-vous les plus grandes villes de France? C'est ce que nous allons vérifier tout de suite avec un petit quiz. C'est parti. Quelle ville représente ces trois images? Eh oui, il s'agit de la ville de Nice, située dans le sud-est de la France. On peut voir sur ces images la fameuse promenade des Anglais, ainsi que les chaises bleues qui longent le bord de mer, mais également le pain bagna, un sandwich composé de thon, d'œufs, d'anchois, parmi d'autres ingrédients, qui est emblématique de la ville. À présent, saurez-vous reconnaître cette ville? Eh oui, nous sommes à Bordeaux, une ville qui se situe dans le quart sud-ouest de la France. Sur ces images, on retrouve le miroir d'eau, ainsi que les petits gâteaux bordelais qui s'appellent les cannelés, mais également on voit un bouchon de liège qui fait référence à l'appellation Bordeaux des vins qui sont produits dans la région. À présent, vous pouvez deviner de quelle ville il s'agit? Effectivement, il s'agit de Strasbourg, une ville qui se situe dans le quart nord-est de la France. On retrouve sur ces images la célèbre choucroute, composée de choux fermentés et différents types de viande, mais également le quartier de la Petite France, qu'on reconnaît grâce à ses canaux et ses maisons à colombages. Enfin, on y voit le siège du Parlement européen. Pouvez-vous reconnaître à présent cette ville? Nous sommes bien à Toulouse, une ville située dans le sud-ouest de la France. Sur ces images, on peut voir le célèbre cassoulet, composé d'haricots blancs et de viande, mais également le pont Saint-Pierre qui enjambe la Garonne. Enfin, en bas à gauche, vous pouvez voir le Capitole de Toulouse, situé sur la célèbre place du Capitole. Et enfin, reconnaissez-vous cette ville? Croyez-le ou non, mais il s'agit bien de Paris. Vous pouvez voir sur ces images une soupe à l'oignon, mais également un bateau-mouche longeant la Seine. Et en bas à gauche, vous pouvez voir un morceau de la rue de Montmartre. Alors, quelle est ta ville française préférée? Et pourquoi? Dis-le-nous en commentaire. Pour en apprendre plus sur la langue française, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, l'Atelier du Français.